Ouais. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous dans l'espace et côté que qui est réservé pour affaires, ça qui concerne les services dentaires. Donc, c'est dans l'espace que nous sommes, c'est là que nous-mêmes avons visité là pour le moment. Nous accompagnés de capables de dire responsables en chef et parmi les médecins sans yo. Il y a à peu près 6 à 8 docteurs et chaque patient à peu près une demi-heure et par patient à peu près, dépendamment de ça, on a gagné comme problème. Voilà, c'est des monde qui a recevoir soins dentaires. N'a pas rappelé pour ces plusieurs services que médecins militaires saillants, militaires américains saillants même, y a offri à population haïtienne, soins dentaires, soins pour yeux, services pour peau, y a offri tout médecine générale. Donc, c'est tout un package que eux même y a offri à population haïtienne. Il a offert tout service de pédiatrie, il a fait thérapie physique, tout, il a fait santé femme, donc planning familial. Donc c'est tout un package que médecins militaires américains, ça même, il a offert. Donc nous-mêmes, équipe Radio Télévision Pacifique, là, on a continué à visiter ensemble avant. On a rappelé pour nous en direct depuis la base Amiral Kilik, que tout le monde plus connaît son nom, Marine Haïtienne, Kishita, dans Bizoton, commune de Corfou. Côté que là, espace ça là, c'est là que des médecins militaires américains, eux-mêmes, y a offri des services gratuits, services de consultation, des soins médicaux et des médicaments gratuits à population haïtienne. Non? Côté que chaque jour, il y a 500 patients. Donc c'est aujourd'hui là même que le service ça même commence. So this here is the area for optometry. Bah, ici là, c'est côté on fait optométrie, j'allais supporter. Là, ça veut dire que c'est service pour yeux, problème yeux. Well, they get evaluated and they get glasses and sunglasses. Ici, il y a évalué mon problème yeux, il y a lunettes et dépendamment du problème, il y a dans yeux. And eye drops and treatment if needed. Il y a tout des gouttes pour les yeux et également traitement qui est nécessaire à problème. Go ahead and follow me. Suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, nous allons visiter le département qui a un service pour yeux. Côté que consulter les gens qui ont un problème d'yeux, c'est dans le service que nous arrivons là pour le moment. Voilà, visite là après poursuivre. Ici, c'est équipement enfin, pour évaluer les gens qui ont un problème dans les yeux. Donc, c'est ça qu'on fait là. C'est section optométrie. And allows us to determine what type of script or glasses a patient will need. Ces appareils qui permettent de déterminer quel genre de lunettes, quel genre de problème on a dans les yeux. We brought prefabricated glasses, so we have the prescription for almost everyone. Nous portons 3 styles de lunettes préfabriquées et nous capables de joindre un traitement pour tout le monde. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et they want to know the name of the this kind of system. It's an auto-refractor. Auto-refractor. If the person has a problem of cataract in the eyes, can they be treated here? So we identify those patients that are good candidates, particularly for cataract. Nous identifier qui malade qui c'est bon candidat particulièrement pour ça qu'un problème cataract dans yeux. And then we do have a limited amount that we do offer to people. Mais nous gagnons quantité limitée que nous capables offrir comme service à moun cataracte. Mais nous gérer ça quand même. Let's go ahead and start getting them. On va dehors, on va continuer. Et voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, visite là à continuer. Nous sommes déjà passés dans le département qui concerne les soins dentaires. Donc pour le moment là, nous avons un espace qui concerne les soins pour yeux.
Donc, visite pour continuer, visite pour poursuivre, nous permettre ou même qui la caille ou même qui en direct sur la page Facebook, nous sommes capables de gagner une idée de différents services que médecins militaires américains, ça y est, eux-mêmes, ils ont offert dans la base amirale Kelly-Clark, que tout le monde puisse connaître son nom marine haïtienne, qui est même chez Carrefour, plus précisément, commune Bizoton. Oui, ici, c'est médecine générale et pédiatrie. Médecine générale et pédiatrie, département ça. Also, if they need simple procedures. Et ils ont besoin des procédures, en fait, des exemples. Like an injection for pain. Si ils ont capable besoin, par exemple, et piqûre, by sayo, donc ils font ça là. Or an antibiotic. Et si ils ont besoin d'antibiotiques tout, ils sont capables de faire ça ici. We offer that also. Nous offrons tout bagay sayo, dans la section ça. We also have a dermatologist and a nutritionist. Nous gagnons ici à tout un dermatologiste pour question de problèmes peau et également un nutritionniste pour question de nutrition. Sometimes we see patients that need x-rays or laboratories. Ici à tout, nous recevons parfois patients qui ont besoin rayon X ainsi que service laboratoire, prise de sang, bagaille comme ça. And we offer those also. Et nous offrons tout le bagaille ça également ici à. Allow me to show you. Et let me, permettez-moi de vous montrer. With the ultrasound, we're able to see more soft skin and tissue. Et ultrasound capable permettre soft skin, c'est-à-dire peau et l'autre tissu qui n'en quoi moun. Also on board the ship, et en dans bateau, we have a CT scan. Nous avons quoi pareil très sophistiqué qui relève CT scan, son scanner que lié. Allows us to scan a whole part of the body and gives us detail. Et appareil ça permet stick sous en pile condition moun qui malade. Go ahead and continue, I'll show you the lab area. En nous aller, on va le montrer nous connaissons laboratoire là. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sommes présents dans la salle radiologie. Côté que gagne un appareil de rayon X qui permet yo capable ouais si un monde gagne son déformation dans zo bien si toutefois zo ou té cassé dans espace ça gagne deux médecins radiologistes donc qui là pour bail service dans espace ça et pour le moment nous en direct de laboratoire là nous capable prendre exemple de procédure pour pipi mon nous capable faire mon pipi et puis nous capable analyser pipi par exemple and blood samples et nous prend sang nous analyser et puis nous capable connaître qui maladie mon gagne. This is also where the dermatologist is. And là c'est là que dermatologiste là est mon qui a géré problème pour yo where he can diagnose things like skin cancer il capable river même connaître si mon gagne cancer de la peau and other diseases et l'autre maladie de la peau. Any question? Est-ce qu'il y a une question? Et si toutefois vous découvrez mon cancer de la peau, la suite ce sera quoi? If they discover someone has cancer, skin cancer, what will you do for him? So we work closely with the Ministry of Health. We travaille en pile et très rapproché avec le ministère de la santé. Sorry. And we offer definite treatment, which includes excision of the area. Nous offrons plusieurs traitements, y compris nous capables même couper côté cancer. Nous capables opérer mon ou retirer cancer. Now there are some types of cancers that cannot be excised. Mais quel type de cancer ou pas capable de retirer? And those are the ones that we work very closely with the Ministry of Health. Et c'est pour ça que nous travaillons très sérieux avec le ministère de la Santé publique. But we offer our expert opinion and recommendations for treatment. Et dans cas ça, nous baillons opinion nous en tant que experts et nous baillons recommandations pour nous être capable de suivre pour capable de traiter. Let's go ahead and let me show you pharmacy. Continuons, on va voir la pharmacie.
Et voilà, nous sommes dans le laboratoire. The area for pharmacy. Where we offer everything from pain medication. Et c'est là que nous offrons tous les médicaments. Antibiotics. Antibiotiques. Antifungals. Antifungals. Skin creams. Problème, enfin, maladie qui est bon pour problème peau. And other items like blood pressure medication and treatment for diabetes. Et l'autre médicament, par exemple, si vous faites tension, si vous faites sucre, nous avons des médicaments ça là que nous capables bail mon qui vient autour. Once we finish our mission, là nous fini mission nous. Every single item that we have brought that is a consumable like the pharmacy, tout article que nous déporté dans pharmacie gets donated to the country. Tout article que nous déporté qui était ici à Kirete, n'a pas bail Haïti, n'a fait cadeau en Haïti. And that always happens at the last day once we're leaving. Nous toujours fait ça que tout côté passé nous bail ça crété au bail pays bail gouvernement. Questions? Est-ce qu'il y a une question? If you want to do a quick interview with any patient, this is the area. Si vous voulez interviewer n'importe qui malade, un patient qui là, pas de problème, mais nous café la laisse. Parce que le médicament sérieux, c'est directement par le ministère, c'est public, c'est dans le cachet milieu, ou c'est dans les hôpitaux, c'est ça. De médecine, So it's a coordination between the Ministry of Health and the Embassy. Nous faisons ça en coordination avec le ministère de la Santé publique, avec l'ambassade américaine. To identify the hospitals and the clinics that will be of most need. Et c'est eux qui vont identifier qui l'hôpital, qui clinique qui peut avoir besoin pour les médicaments. To be able to provide those for the public. Et nous allons bailler pour le public là. Si vous voulez interviewer un sérieux, pas de problème. Et voilà, c'est des patients que eux-mêmes qui viennent avec prescription côté que nous rappelons pour eux. Ces médicaments aussi gratuits, soins gratuits, consultations gratuites, médicaments également gratuits. Et nous rappelons tout, ils ont fait des opérations pour mon yoto. Non, pas c'est Yovens, moi je suis sorti à Monquette, moi je suis venu. Dans l'hôpital ça, je travaille avec un docteur qui américain qui vient dans l'hôpital là parce qu'il a des problèmes de malentendus, il vient dans l'hôpital là et parce que même américain il vient là et peut-être ça me vient ensemble avec elle, il est en l'air, en salle dans l'air et ça fait me venir là, me des problèmes tout pour tête pas, tout vient avec elle. Nous il y a des monde qui l'a depuis deux fois par hier, il y a des monde qui même Et moi, je suis venu depuis le matin parce que je suis venu avec mon blanc et je suis obligé de faire passer. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative ça? Moi, je suis bien. Je suis bien pour les soins, je suis bien pour les gens. D'accord. Oui, parce que je connais les blancs qui sont ensemble avec là, qui font me connaître, je connais. Je ne connais pas si Mounsa est venu. Non, je suis venu dans la clinique, il fait chirurgie et américain lié. Il est venu, il connaît Mounsa est venu. Je connais un certain fait mon compagnon, je suis venu dans la chasse. Si nous regardons les amis téléspectateurs, si nous sommes capables d'aborder un autre patient. Bonjour madame, qui service? Moi, comment j'aime pas sentir bien. Donc, voilà, nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui aimait coopérer parce que avec une caméra qui braquait sur eux, donc le monde n'a vraiment pas trop envie de coopérer. Donc, pour le moment, c'est instruction, il y a passé à patient. Okay. Yeah, ça c'est pour infection, ok? And you take 2 minutes. You want to prendre deux. So you take 2 of these. On prend deux dans ça. And it's going to be twice a day. Deux fois par jour. Yeah, for 7 days. Ou 7 jours. Ok? Yeah. So these medications help to clear out the infection. Médicaments ça aide pour nettoyer l'infection qui est au gain. D'accord. Yeah.
And you know, it might make your stomach upset. So you don't want to take it with food. Mais faut manger avant, d'accord? And drink a lot of water. Il faut boire un peu d'eau. Yeah, while you're taking. Yeah, one of these each day, and especially in the morning. Especially, yeah, in the morning. Dans la matinée après on charge, okay? Yeah, that's good. And then these just for 7 days. Ça c'est pour 7 jours. So how often are you going to take it? This one here. How often do you take it? Chacun le prend ça encore. Oh, it's okay. Yeah. So you'll do 2 tablets. Yeah. Then. Yeah. Often. 2 in the morning. You'll prend 2 in the morning. And 2 in the evening. Et 2 in the afternoon. Yeah. Okay. Yeah, that's okay. Yeah. Yep. And it, you know, like I said, upsets the stomach. Yeah. Les 40 gens dérangent l'estomac, mais pas de problème. Ça va, pas de problème. Okay. Okay. There's one other thing, but I'll mention it when the camera's around. So. Madame, qu'est-ce que vous pensez de ce service? Oui, il est bon. Service est bon. Pas de grandes difficultés pour que tu arrives à entrer là matin? Hein? Non. Non, montre très facile. Bon, je ne prends plus le bourret même, je crois que je vais rentrer quand même. Oui. Donc voilà, là nous sommes présents dans la salle pharmacie, côté que des patients qui ont même qui viennent avec prescription et côté que eux-mêmes ils peuvent recevoir en retour des médicaments gratuits. Donc n'a pas rappelé pour vous soins gratuits. Et bien voilà, travail pas fini, je vous dis au revoir pour l'instant, cette partie. Thank you all for allowing me to give you a few words. Et si vous voulez poser des questions, il y a une question pour vous. Sure. Sometimes militaries come in mission in Haiti. Can you tell us a little bit about the boat, hospital boat, the Comfort? Can you tell us about it a little bit? Sure. So the hospital ship Comfort has different types of missions. Bateau Comfort là, il y a différents types de missions. From humanitarian missions like this one. Il y a une mission humanitaire, tant que ça n'a pas aujourd'hui, il y a une mission humanitaire. To more combat missions like trauma. Il y a une mission de combat, tant que le monde traumatisé. And it has the ability to go from a 250-bed hospital. Il est capable de camper entre 200 to 500 à 500 et monde. Il est 200 à 500 lits d'hôpitaux. To 1,000-bed hospital. Il est même arrivé avec 1,000 capacité de 1,000. So right now, because this is a humanitarian mission, we only have capacity to 200 beds. Pour qu'on ait une mission humanitaire en Haïti, nous capables seulement recevoir 200 malades qui capables et internés. And the services that we offer are the ones that I kind of like mentioned. But inside the ship, we do have, like I mentioned, the CT scan. We have a radiology suite. We have a blood bank with capacity of 500 blood units. Nous gagnons banque de données pour sang qui capable prendre 500. Mm-hmm. 500 exemples de sang. We also have capacity to do surgeries with 12 ORs. Nous capables de faire opération et nous avons au moins 12 capacités d'opération en même temps. And the ship has the ability to produce its own oxygen and its own water. Et bateau capable de produire propre oxygène et propre global. Ça n'a pas besoin de dehors, il est capable de produire oxygène avec l'eau en dans bateau même. And also we have different medications on board to help assist with surgeries and treatments. Nous campons les médicaments pour capable soigner mon yo leur faire opération et leur nous traiter autour en bateau. To include the care of intensive care patients. Et nous gagnons également mon cap dans soins intensifs, nous capable recevoir en bateau. C'est combien de médecins américains?
How many military and doctors, U.S. doctors, are on the boat? Anywhere from 900 to 1,000. À peu près entre 900 à 1,000. On the boat, do you have orthopedics service on the ship? So the other specialties on board include orthopedics, on the bateau, orthopédie, urology, et urologie, parce que c'est un monde qui va pipi, genre les bagages, cardiology, cardiologie pour cœur, nephrology, néphrologie pour cerveau, endocrinology, et endocrinologie, hematology, oncology, hématologie, oncologie, question de cancer, les bagages. And general surgery. Is chirurgie générale. You also know how many times the patient can stay on board if he has a problem. How many times he can stay on the bed, How many times you treat the patient on the boat? Usually, for those patients that get screened for surgery. En général, patient qui fait opération sur bateau. Are ambulatory surgeries. Nous font service de chirurgie ambulatoire. So for those patients, usually 2 to 3 days. Et normalement, c'est 2 à 3 jours que vous faites interner. 2 à 3 jours. And if the case is very complicated, still 3 days. So we identify the need, we stabilize. Nous identifions besoin qui besoin stabiliser d'abord. And then we work through different means to provide definite care via either a hospital. Et nous travaillons sous différents moyens pour capable bail et différents soins. Or returning back to the States once the patient is stable. Et puis le monde vient stable, nous menons le tourner à terre. Mais nous connaissons que les militaires médecins américains, ils sont présents dans le pays d'Adolphe. Le 13 novembre, supposé, et le service est supposé fini. Si toutefois, il y a un monde qui a la nécessité plus de jour. Et qui prend la suite, là, s'il vous plaît. We know that your mission will be end on the 13th, but in case you meet a patient who needs more cares, for more days, will you stay for that? Or what will you do with the patient? So that's where the screening is very important. C'est pour ça que le screening est très important. Il permet nous capable d'identifier besoin maladie. Because we know what our limitations are. Nous connaît qui limite nous, limitation nous. And we don't want to cause any irresponsibilities. Nous pas d'appeler commettre aucune irresponsabilité. For a patient that would need further care than what we can provide. Pour un patient qui a besoin plus soin que nous-mêmes nous pas capable bailler sur bateau. So for those patients that are more complicated and need more care than what we can offer, patients qui sont compliqués ou qui besoin plus soin que ça ne capable offrir, that's where the Ministry of Health and the Embassy help us. Et c'est là ça que MSPP avec l'ambassade américaine va aider nous dans cas ça. Take care of the patients. Il va aider nous prendre soin de patients ça. I think if about CDO, ma'am. Do you have Haitians in the missions? Like doctors on boat? So currently, there are volunteers. Actuellement, nous avons des volontaires haïtiens sur bateau. From Haiti. Oui, haïtien. On board different areas. Et dans plusieurs services, plusieurs sections. But to my knowledge, à ma connaissance, I do not know of a particular physician on board. Pas connaît aucun docteur ou bien physicien haïtien qui est là sur bateau. But I do know même connaît that some physicians have offered un peu les docteurs offrent service from Haiti un docteur haïtien qui offre service sur bateau to come here and help see patients. Et il y a venu ici pour capable aider nous les patients des volontaires. Et voilà, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons informé sous vraiment USNS Confort, donc sous différents services que qui gagnent même sous bateau hein, et différents services que vous-même y a offert tout dans la base amicale qui l'éclat. Donc, il y a une capacité pour hospitaliser les gens sous bateau, il y a un service de radiologie, service de néphrologie. Donc, c'est tout un package que vous-même, il y a un service de scanner qui est sous bateau et service pour opération. Tout. Donc, c'est sous bateau que vous-même, il y a fait. Mais dans la base amiral Kéliklan, plus précisément marine haïtienne, donc c'est là qu'il offre toute série de consultations, toute série de soins médicaux, et c'est là tout que vous avez une pharmacie, tout, côté que ou même patient, là, il est fini, jeune soins médicaux gratuits, il est capable de joindre également des médicaments gratuits.
n'a pas rappelé pour vos amis téléspectateurs, depuis 2007, ça fait 7e fois, yon bateau l'hôpital lui-même en mission dans la région Caraïbe avec Amérique latine, non, mais pour Haïti, ça fait 5e fois depuis 10 ans que nous gagnons bateau l'hôpital qui lui-même est présent dans le pays d'Haïti pour offrir des soins humanitaires. Donc, ça, humanitaire, c'est parce que son service gratuit et que lui-même visite un bateau ça, il rentre dans le cadre d'un programme en pays États-Unis. Les promesses cap dirée et visite ça c'est une étape dans voyage bateau en fait dans Amérique latine à Caraïbes dans le cadre d'une mission aide médicale cap dirée 5 mois et n'a pas rappelé pour vous et programme ça lui-même li rivé dans le pays d'Haïti c'est grâce à support ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti ensemble en tête collée avec ministère santé publique et population et puis police nationale d'Haïti hein yo offre service à grand monde service à petit monde service avec femmes enceintes donc c'est tout un package et n'a pas rappelé pour vous c'est un service qui gratuit et que médecin militaire américain ça yo prévoit pour consulter chaque jour 500 patients. Donc c'est jeudi mercredi 6 novembre 2019 là qui ont même commencé avec soins yo et yo même y a soin ça yo y a fini le 13 novembre 2019 mais n'a rappelé pour vous bateau USNS Confort là il est arrivé dans baie de Port-au-Prince le lundi 4 novembre 2019.